ya barème actuel obusu utilisaka barème wana gouvernement congolais afuta biso kaka 75% petite là na 25% ya complément ya barème na biso oyo après protocole d'accord to signé ki na gouvernement congolais na 2019 mbongo wana bafuta kaka biso sous forme ya mise à disposition des fonds parce que na protocole d'accord ninge to signé ki tolobaki ete soki grève sili parce que la 2021 boyebi que tosa ki makele le mingi ya TNC makele le mingi sa maki na 2021 ezaki na grève. Alors il y a eu ce protocole d'accord qui a été signé avec le gouvernement. Dans le protocole d'accord wana signé maki reste ya mbongo na biso ya salaire 25% salaire oh il fallait bafuta ki biso d'abord sous forme ya mise à disposition des fonds et ils nous ont promis que na premier trimestre ya 2022 sous forme et mise à disposition des fonds, pour intégrer un salaire. Mais depuis lors, si le lot, Mbongwana, ils n'allaient jamais intégrer la carte de salaire. Et puis, tu vois, toujours, après beaucoup de difficultés, il faut que tu m'appelles. Il a dit, à salaire, je ne comprends pas. Il y a un complément à salaire, on a vu sur les 100%, il y a un barème actuel, nous touchons 75% de la banque. Et 25% il y a un sous forme de mise à disposition des fonds. Mais il faut que un kimiate. Il y a toujours ma kelele. Il y a toujours un ma kelele pour faire un. Dernièrement, notre employeur, Madame le DG, a tindaki lettre pour nous intégrer 25% dans la carte de l'état liquidatif. Il y a paye. Après ça, lettre dans le ministre du budget, copié par le premier ministre. Et puis, il y a un que. Nous avons un et de permettre aux gens de se faire le gouvernement. Parce que les lois mal compris. Parce que RTNC, chaque année, nous avons un peu. Or, c'est toujours le même problème depuis 2021. Si les lois, quand le même problème, tu as la solution, nous avons un peu. Il y a dernièrement, maman premier ministre a fait une instruction, la ministre du budget, pour que l'année dernière, nous trouvions une solution au problème de la RTNC. Mais malheureusement, une fois de plus, malgré la lettre de maman premier ministre, solution à trouver. Il y a un autre bagage, non, tout le monde est là. Maman première, il y a un autre, comme il y a un autre, ça qui est instruction. La ministre a budget, la finance pour pas la solution à ma problème. Voilà, il y a qui, pour mon aïe, pour qu'il y ait, Azoa, en tant que chef du gouvernement, Azoa, décision finale, pour que toi, Tika, ma cambo, est là une fois pour tout. Et d'aller prendre la rencontre. Pardon? Vous avez la première rencontre? Ce n'est pas la première rencontre. Tozala, depuis 2021, je crois que Boyebi. Tozala, si, pourquoi? Parce que le président Félix Tshisekedi a toujours été à côté du peuple. Comme le président se soucie de la population et maman Souminoua, Azosa, la OESALI politique, la chef de l'État, nous croyons que maman, je dis Souminoua, a trouvé sa vie sur solution Lelo et ça sera une solution définitive pour la rassurer à quel est l'été à la primatique. Merci. Votre descente ici dans Koumati, c'est quoi encore? Dites-nous. En fait, nous sommes venus pour dénoncer ce qui se passe à l'intérieur. Année après année, déjà après déjà, ministre de communication, premier ministre de communication, il n'y a pas de solution ce qui se passe à l'intérieur. Les gens disent, la RTNC réclame toujours. Oui, nous réclamons. Parce que nous avons le 25% de notre salaire qui est payé difficilement. Et on se rend compte qu'on n'en parle, on est à 16 mois. Nous pensons qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tant que maman, la chef du gouvernement peut nous aider à pouvoir sortir de cette catastrophe. Il y a un autre problème, c'est les barèmes. Sous la tutelle du ministère de la Communication, il y a trois entreprises. Il y a l'ACP, il y a Renatensat, il y a la RTNC. Pourquoi est-ce que le barème de la RTNC tarde? Pourquoi les contraintes de la RTNC tardent? La RTNC doit vivre de cet arrêt des vents. Et jusqu'à présent où on parle, personne ne peut éclairer la lanterne. C'est pour ça qu'on a dit c'est trop. Et nous sommes venus à frapper à la meilleure porte. Parce que la première ministre a déjà écrit, elle a initié une correspondance auprès du ministère du budget. Le ministre du budget, le ministre d'État, qui doit normalement répondre à ces solutions, tarde à le faire. Et on se pose la question, pourquoi? Nous sommes le miroir de la République démocratique. Avec un maigre salaire. Nous, la CNCS ne nous connaît pas, la Caisse nationale ne nous connaît pas. On ne sait pas envoyer des gens à la retraite.
quand tu travailles à la RTNC, tu meurs 6 mois après, on coupe le salaire. Donc tu auras donné toute ta vie pour la RTNC et mérité cela? Non. Et je sais que le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est à l'écoute de la population. Et lui, il sait que cette population de la RTNC qui crie, c'est parce qu'elle ne se retrouve pas. Okay. Ça, ça fait combien de temps? Au cas où vous n'avez pas trouvé une autre solution meilleure aujourd'hui, quelle sera la suite? Non, il ne faut pas dire qu'on ne va pas trouver une solution. On doit trouver une solution. À chaque problème, c'est solution. Aujourd'hui, c'est la énième fois. Mais on se dit, on a toujours eu des hommes à la tête des gouvernements. Mais nous avons une femme. Nous avons placé notre confiance en cette femme qui est notre première ministre, la chef du gouvernement. Nous avons trouvé une chose. Merci. Merci à vous. Oui, nous avions une rencontre hier, on nous a convoqué, c'est invité plutôt, c'était par rapport à la lettre de Sitil que nous avons déposée auprès de Madame la Première Ministre. Pourquoi cette correspondance? C'est parce qu'il y a la misère atroce à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Les agents travaillent dans les conditions extrêmement difficiles. D'abord, des conditions de vie extrêmement difficiles. Il faut ajouter cela, les conditions du travail très difficiles. Et pour terminer, les conditions salariales très difficiles. Comprenez, dans ces circonstances-là, nous complétons, nous ajoutons aussi même la situation sécuritaire, la situation psychologique. Parce qu'à la RTNC, qui est une maison hautement stratégique, elle est sécurisée par les militaires, par un dispositif sécuritaire impressionnant. Vous voyez, tout ça, ça met les travailleurs dans les conditions de travail, je le répète, je suis en train de me répéter, très difficiles. Nous sommes venus ici, c'est par rapport au dossier du contre-saint du barème. Nous avons un personnel contractuel, le personnel régi par les codes du travail. Malheureusement, les salaires que nous avons ne respectent pas les prescrits du code du travail. C'est pourquoi nous avions confectionné un barème depuis 2021 qui, à ce jour même, avec la dépréciation monétaire, ce barème est devenu même obsolète. Mais nous continuons à les réclamer. Pourquoi? Parce que c'est l'unique document qui a déjà été signé par notre ministre de tutelle. Il restait juste le contre-saint du ministre du budget pour son application. Mais fort notre plutôt déception, c'est de constater que le ministre du budget refuse catégoriquement depuis 2021 de contre-signer ce barème pour que le personnel voient leurs conditions de travail s'améliorer, les conditions salariales s'améliorer. Au-delà du contre-signer du barème, nous avons un ancien barème qu'on avait payé à 75%. Il restait 25%. Le gouvernement avait décidé de payer ces 25% sous une autre forme. Et aujourd'hui, nous totalisons 16 mois d'impayement de cette partie du salaire. Et troisièmement, c'est le problème de la redevance audiovisuelle. L'ordonnance sur la redevance a été promulguée depuis 2012. Jusqu'aujourd'hui, cette ordonnance souffre dans son application. Et à ce jour, les recettes et les paies de recettes qui entrent, le personnel n'en bénéficie pas. Nous ne comprenons pas, ça devient un flou artistique organisé tout autour du dossier de la redevance. Depuis 2012 jusqu'à ce jour,
les ministres se sont succédés, mais la situation demeure la même. Et troisièmement, il y a le dossier de la CNSS, donc c'est quatrièmement, excusez-moi, dossier de la CNSS, où les cotisations des agents qui sont retenus à la source chaque fin du mois, mais ces cotisations ne sont pas tracées à l'INSS. Il faut ajouter la quote-part patronale qui n'est pas prise en charge et qui n'est pas prise en charge par l'employé, ce qui fait qu'aucun des agents de la RTNC n'est payé au niveau de la CNSS. Et qu'est-ce que ça présage? Donc la retraite est totalement hypothéquée. Voilà les mobiles qui nous amènent à la primatie. Nous avons été là dernièrement. On vient toujours, mais cette fois-là, on a dit, si une solution n'est pas trouvée, nous n'allons pas quitter ici jusqu'à ce que Madame la Première ministre puisse donner solution au problème que nous sommes venus poser ici. Voilà un peu en résumé ce dont nous sommes venus réclamer ici à la primatie. Na barre mwana tozwaka 75%. 25 etikala bafutaka biso ngo lokola prime de motivation parce que FMI azaki na mboka bakokaki kofuta biso ngo lokola salaire te. Bapesaka biso ngo na mois ya décembre. Pour que janvier ya 2023 bakotsela biso ngo na kati ya salaire tilelo. Bakoma poto zwa ngo photo ya kosala ka makelele boye. Mais tous les banabino les lotos sali 16 mois ya nyongo na 25% na biso wana to sali 16 mois ya nyongo depuis 2012 bakata kabiso contribution na biso sociale na CNSS côté que naka e banité soto que na CNSS ba bibino bwana cotisation awate mais biso na banque e futa kabiso bakata toza na problème wana ya CNSS bajo ya RTNC bazo kufa jour et nuit. Ce qui monte aussi si carrière au bimina retraite aux ana na nité de compte final té CNSS pay a évioté yango toyé awa bakonzi bata ya biso likambo likama misa teza ya redevance RTNC za chaîne nationale il faut bénéficier na redevance ya audiovisuel mais toza na mbongo ba partenaire ba pesaka mais na RTNC to mona kangote so toyé ko réclamer ko revendiquer pour na barème. Par contre, ce n'est pas qu'on dit que non, vous en avez un bon rébellé à redevance, vous avez la barème, la bino, vous avez un bon au moment où vous avez la barème, vous avez tout le monde à camoté. Dès le premier ministre, depuis 2021, vous avez la barème, la biso, des jeunes à biso à signer, dont le comité de gestion de RTNC signa, ministre de titel, Oaza Siko, Patrick Mouya, a signé depuis 2021. Mais ministre Bojji Tilelo a beau être consigné au PSC contresé à Barem. Yango le loto ye awa. Mboula e beta, ne mo ese bimi mboula e beta. Toko zala kakawa. Soki toko sala un mois, toko zala kakawa, tiba toko trouvé ce. Moi, je suis lobby qui va être un bon CNSS, vous aurez un motif. Je l'avais dit détourné, mais ça n'a pas été détourné. Mais ça détourné, papa. Et ça détourné. La lobby depuis 2012. Depuis 2012, si les noms à Katarabiso, moi, c'est long grade. Moi, je suis 75 000 francs congolais. Bazo kata batu musu 50 000, moutou asuka bakata ke lokwa 35 000. Depuis 2012, ti lelo. Banque e futa kabiso azo reconnaître que compte ya CNSS, ce n'est pas na bango e zali, so bakati batiaka kuna mbo wane kendawa. Yango tuye pa bakonzinde, pa ebi sabiso, makamo tuye. Merci. Mambo te? Weto. Kwa mwa da ato ene kata primati, moutou na bine lilo e zali nini, oboye lilo. Et yo toi ça dit la wabuni, tu ne vois ni chez tu te dis bah lui la moi be ou bah kolokumo nanga nani ni kavulambedi. Tu dis bah lui le bah kumo le mushindo wa kulondolo la mane mayetu. Et tu bah quoi tu vas mudi muba RTNC tu dis ni lui tatu wabuni. Tu dis ni lui tatu wabuni. Quand on est venu te manier toi tu te dis tu benza.
mais nous tout temps malu à mianda tu nous dis qu'il nous dit bah bigla bon ministre ou bidé tien boitin tout mon avant tu vas quoi vous nikala bayeta makuta à boitu futu nikala quoi quoi kumbana bobo pour mon machine de comble mais j'ai tout à mes quoi quand il tient bah naba LTMC quand on est en quoi auto makuta dit bah tu futa ma caisse quand c'est toi l'homme bah ni bah mon machine de quoi tout l'ondele quoi tu t'angila ni barème son ni lele kama tu vas confessionner barème bika na boku to chala kadi yeki muso wa kumeme kato kudika bidi tena tena ndila baba mbona mshindi wa bobu kutuelela makuta yetu watu tubikira kwa ni maboko bank batelela makuta u mu envelope wetu wa makuta ajifutu ili tubikira kwa ni salaire batelela makuta u watu lekele jiba jonsu tukala nukule kusha maisha kule kusha maisha wakweta 25% 25% nous disons voilà qui m'a coûté bon ito. À mon tour du moment c'est un chilukama. Wachanan. Et tout de même on est 5 000 francs. Quand dit à nous pour coûter m'a coûté bien et voilà. Puis quand on est tous jamais là, tout le coup de vous la car maintenant vous l'avez dit voilà. Bah moi le machine de coûter cher m'a coûté. Quand bien on a encore auto. Tout de même petit singe tu connais tu quoi ta mudimu. Nous pas moi du tout. Tout petit singe tu n'as tu dis pas bien voilà. Échelle nationale. Quand dit voici tout du moment qui est là marginalisé nous quoi. Tout le monde a ACP, tout le monde a Arena. Tout le monde a bon, quand tu vois que 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 kati to wela mu 2012 to ni pinje badi batu kosema ku SNSS kati kati tu mona mwabu tu makuta ya to bantu badi ba saba boni mu nda mwa LTMC kako na mtu kwanga ta buji tu bwabu to mtu yeye mufu ani mangondo isambo mchana na bako tu makuta SNSS ke no mutangina kako na mtu juma kumulondelela ke no weta de compte final jiko ati dika ja mu mtu tetu kwa tujibana ba mwana mwena kongwa ni tetu jibantu ba chana na dikene bwanyi bikala batu batukengesha nkwewe kia tujibalo wanyi tumola ni premier minister lelu wa lelu dikelebo wanyi mamono mshindo kutuweshe koku manda muna kumalue mbobu kata iba sila tu ni wandu mshin nili mungu mshin kutu lalanwa katona tu ya to kutu lalanwa tonyi mshin dikelebo wa kutu andamuna wanyi batondi la boji tujie muso nye LTMC nchinyen ujube ngabu wachini wa kutu achala mumana dimikala tangila kamona kama ka LTMC tutibabenze la nchinyen kibolu kwa jumutu mwana mwabeu tujibamba bwani lelo tujibala tujibali na lonsu yaka imoku na bipato tutulala mwabeu mtu tenza matuwa bijasa tutenza mwabeu toni kala premier ministre mwakuka bakula kutangila chinombu chetu asanti.